Et bonjour à tous, c'est Loki et Ténébreux, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Pokémon Blanc 2 aujourd'hui. Et avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, comme chaque semaine désormais, quand on parlera de Pokémon, je tiens encore à remercier PicoChat, simplement pour l'overlay qu'il y a autour de Pokémon maintenant. Ça rend la vidéo sympathique pour vous, pour moi. Ça rend tout ça plus sympathique, plus qualitatif. Donc je souhaite évidemment le remercier. Donc, aujourd'hui, on se retrouve, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, pour faire l'arène de Strike. Donc, l'arène champion. L'arène de la championne, pardon, excusez-moi. Strikena, de type poison. Alors, comme vous avez pu le voir sur Twitter, si vous êtes sur mon Twitter, je vais vous partager la vidéo de l'évolution de mon Watt, du coup, donc en l'énergie, et je vais vous partager mon équipe, et donc affronter donc, la reine des reines, la queen de la scène, Strikena. Donc, on va les affronter avec cette équipe. Et donc j'ai pas de type métal comme vous pouvez le voir parce que j'ai pas réussi à faire évoluer Riolu en Lucario. Donc pas de type métal, on va y aller comme ça, un peu en mode un petit brun comme je le reconnais. Donc c'est parti, on va pas attendre, on est là, on y va, et on fonce et on le défonce. Cette arène est aussi une scène de concert en live. Le champion et son groupe sont en train de répéter, alors il faudra les affronter les uns après les autres. En fait. Tiens, mais on t'offre une consommation. La fameuse eau fraîche. Toutes les arènes. Bien sûr, j'ai des souvenirs, mais là vous êtes dans votre tête, pour certains, vous savez ce que je ressens. Genre Hugo Chat par exemple, vous savez ce que je ressens parce qu'on joue pas Pokémon. Blanc, c'est la même passion. Mais vous savez pas la passion du jeu de rejouer à Pokémon Blanc vraiment Blanc 2, c'est vraiment mon enfance ce jeu. Moi, j'ai l'assistant. J'ai que de la balance pour l'acoustique. Toi, tu es le dresseur? Toi aussi la balance, c'est important. Comme des types, hein? Ok. Sacré champion. C'est terrible, le meilleur de ces Pokémon. Elle est complètement dans ce qu'elle fait quand elle est ici. C'est pas le mec qui a bloqué toi, Pokéwood, qui a recruté un pain? Ah ouais, je pense que c'est vrai, parce que c'est Pokémon dans une vidéo Pokémon, je pense. Hein. Je ne vous cache pas. Les gêneurs, je les rose. Les autres aussi d'ailleurs. Premier combat Pokémon. Pou, pou, pou. Allez, poteau. On trouve ton équipe, Boutus. Allemande, allez. Allez, petite Allemande. Niveau 14, comme vous. Niveau 14, alors je sais plus si le type poison, pas le type poison, a une surpuissance par rapport à type plan. Mais dans le cas immédiat, je vais pour un petit Pokémon. De toute façon, c'est pas quelque chose. Normal, c'est pas grave. Écoute! Ouais, de toute façon. On va voir si c'est la pièce. Juste empoisonné. Voilà, alors après le poison pour l'instant, voilà. Je vais continuer à essayer de baisser ta précision. Ouais, normalement, ça va être. Ouais, voilà, ça c'est fait déjà, entrave. C'est pas ce qui me bloque. Ok, c'est bon. Faisons pas trop de mal non plus. Ok, est-ce qu'on peut continuer à faire ça? Ah oui, entrave, c'est bon. Fulian. Oh, on a le stab quand même. On a le stab dit plante. Ah, super efficace, même par rapport à charge. On change de Pokémon. Je suis dans le jaune. On peut se permettre de faire un Pokémon. On va prendre Luc, on va essayer de lui remonter un peu de niveau, on va prendre des strikes là en personne de toute façon. C'est une bonne idée aussi. Et grâce face. Cool. Tu dis bien poteau. Un ami à la force incarnée. Mon Lucario. Pardon. Combat contre le poison, c'est pas très efficace. Sérieusement. Je stab, moi j'en profite, mais. Fox, non, on change pas de Pokémon. Lui qui a monté niveau 17 et je veux une évolution en vidéo. Oh, on a pas évolué. Je crois pas qu'il évolue. Waouh, mais ça fonctionne mieux. Fonctionnait bien mieux quand j'étais en train de les combattre. Bah, j'ai balancé Cléopâtre. Cléopâtre, elle a une piste là-haut très puissante. Voilà, c'est sur ça pour l'instant, mais c'est un peu déçu. Dans la zone industrielle, ça fonctionnait mieux. Bon, ce pistolet là-haut, c'est très puissant.
Voilà, ça calme tout de suite, comme on dit. Je pense que je vais lancer Cléopâtre contre l'autre, tout seul. En fait, le but, c'est... Mais après, on évite de retourner au sens Pokémon entre les deux, sous-combattants. Parce que là, je vais pas prendre le choix. Ça m'a bien rossé, mais ça me fait du bien. En fait, je vais retourner... En fait, j'hésite. Ouais, allez, on y retourne, parce que de toute façon... Vous savez quoi, j'ai mis une petite pause, on se retrouve après, je vais juste soigner les Pokémon en fait, juste les soigner. Et nous voilà donc, de retour. Hop, on va passer par ici. Quand je joue de la guitare, et quand je combat, je suis très bon moi-même. Allez, montrez-moi ça. Du coup, tu soignes les Pokémon, on se tourne bien quand même. Oh, je vais faire une faiblesse, insecte, le défense, je vais te planter ou pas. Moi, je vais prendre un atelier de type. Juste calme en fait. Je vais tranquillement faire un joli petit combat en fait. Bon, je vais prendre calme. Ah, donc tu m'empoisonnes même pas à coucher avec ton nom. Une brûlure, je te laisse. Je dégage, one shot. Alors je vais essayer de te tuer avec lui. Si j'arrive à caser ça, tout simplement, bah c'est bien quoi. Mais il est au bout de ce. Moi je crois qu'il évolue par rapport à un principe d'amitié, je crois, donc ouais. Après, mais... Il y a un monde où on peut se mettre bien et ouais, quoi. Bon, après, c'est plus qu'on a assez. Est-ce qu'on s'amuse un peu? Est-ce qu'on va nous répondre un petit peu, genre en mode... Salut! De toute façon, il me fera la mini one-shot, d'accord. C'est pas des vieux chats normal qu'on ait une grande de ces Pokémon qui aiment pas les one-shots, c'est sûr. Hop, paralysie. Allez hop, niveau 17. Allez hop, petite évolution s'il vous plaît. Ce serait cool, là, ce serait vraiment top, une évolution ici. Oh, les bons moments ne durent jamais longtemps. Oh merde. Ah, il évolue sacrément par 10 secondes, carrément, en fait. Hein. Ah, il évolue... Ouais, il évolue... Un coup niveau 17, hein. Tranquillement, il se met bien, le petit Lucario, niveau 17. On se retrouve pareil après le soir des Pokémon. Allez, salut. Hop, on se retrouve ici, pareil, on est reparti. Affronter Strike, là, les amis, les mecs sont petits badges, sympathiques. Je twist ta tête. C'est super agressif. Il y a deux Pokémon. Smogo, niveau 16. Niveau 16, mon dieu. Je vais essayer de prendre. Est-ce que la précision commence? Attention, on descend un petit peu. On sent que t'as l'énergie à revendre. J'aime. Petit like. La précision, c'est une touche du jeu pour que le spray soit plus chiant que le spray. Tu vas être quoi? Là, c'est un truc là. Je crois que c'est. Attends, ta championne qui utilise un truc sur toi. Non, éclaté. Oh, tu sais quand même. Ah, non. Je rattrape et que je sorte au bas. Mais là, elle peut pas le soigner en fait. Non, je pense que je vais. Parce que le soin, si elle le met sur le premier Pokémon, moi ça m'arrange plus que si elle le met sur le second. Premier coup. C'est pour le premier coup, c'est pour le premier coup. Pistolet à ouu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 u
Ouais, là, le deuxième coup va se soigner. Là, par contre, il va se soigner. Là, ça va être... Là, ça va être une petite question. On va le défoncer. Ça, c'est toute la vie, par contre. Oh, les affaires. Est-ce qu'on le retraite si tu ne fais pas pour qu'il serve de truc? Et qu'on mette pas un Williams au bord des éclairs, en fait. Donc, je change. J'ai peut-être dû garder un magnétier sur moi, en fait. Après, clairement, je sais pas dans un peu du tout. On va voir si c'est des vieux chars. Oui. Voilà, peut-être sur un petit statique. Petit statique. Non, il pas. La racaille dans l'espace. C'est quoi, je vais le sacrifier. Dans tous les cas, je vais le sacrifier. Parce que Bolis, c'est pas ça qui... J'aime beaucoup Abonipat, Scobolide et Boutalibre. Boutalibre, mais... C'est là que je vais me déchaîner. Ça va twister. J'ai de la musique de fou. Je vais me faire un roulade pendant ma prochaine vidéo. Je pensais à un roulade. Et là, je suis feu, je fais des roches. Mais là, en fait, tout c'est juste défoncé à coups de flamèche. Ah, bon. Avec les amis, merde. Boum, tu me tues pas? Non. Ouf. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un monde où je sais que tout mon truc, mais après j'ai un livre attaque. Ah, j'ai un livre attaque qui peut partir de toute façon. Elle a pas de soin, mais je vais pas prendre des risques. Si elle a un soin, c'est... Ouais. On joue le beau jeu. Allez, ça dégage, Darkai dans l'espace. Po, Rivolo qui en profite pour évoluer, les amis. Il a évolué le round d'avant, mais c'est pas grave, on n'en veut pas. Lucario, boum. Allez, ça dégage, ça. Le boss, c'est moi. J'ai perdu, moi. C'est rock'n'roll. C'est-à-dire que tu aurais du talent. J'ai un peu la haine, mais bon, c'était pas un combat socialement formaté. On a pu se lâcher. Tiens, c'est la preuve que tu m'as twisté la tête. Du coup, j'avais déjà en vrai. Po, allez. Je suis vraiment en train de manger les sur Pokémon. J'adore ça, j'adore battre des champions comme ça, les défoncer, leur apprendre que c'est moi le boss. Ça te fait 2 badges. Tous les Pokémon jusqu'au niveau 30, même ceux que tu auras échangés, verront que tu es sûr et t'obéiront. Et puis, parce que t'as le rythme dans la peau, tiens. Choc venin. C'est la CT09 choc venin. Ça balance la dose de venin. Son adversaire est déjà empoisonné, il déguste le double de dégâts. Yeah, ça va les chambouler tes ennemis. Bah ok. Allez hop. La musique de Pokéwood. Je vais mettre plus fort. Voilà. J'ai juste envie de faire profiter de la musique de Pokéwood. Hey Lee! Toi, ton combat là contre Strakna, j'ai senti que tu avais l'étoffe d'une star. Je vais faire un tour au Pokéwood. Ouais. L'étoffe d'une star un peu gosse. Tu veux aller au Pokéwood? Ça me rappelle, mon rep! Il faut qu'il reprenne la navigation! Bah ok, calmez-vous. Bon, la vidéo dure 14 minutes. Alors, c'est pas trop long ni trop court pour une vidéo de champion d'arène, hein, évidemment. Comme je vous l'ai dit, les champions de champion d'arène resteront des vidéos de champion d'arène, c'est-à-dire qu'on fera rien d'autre que le champion d'arène dans une vidéo. Donc, ouais. Alors, ce que je vous propose,
lance mes bases déjà. Hop. On fin de nos Pokémon, tranquillement, notre petite équipe qui se met bien. Et tout simplement, on se retrouve la semaine prochaine pour Pokéwood. Je veux juste vous laisser savourer la beauté de mon équipe actuelle. Je vais en éclaircir d'ailleurs. Niveau 10, il a pris deux niveaux de c'est abusé. Luc, il est abusé. Bref, donc voilà, on a pris deux niveaux de plus. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine, on découvre le Pokéwood, on tourne quelques films. Et on va sûrement enchaîner une série de vidéos du Pokéwood, j'imagine, faire quelques films d'affilée, j'imaginerais bien un truc comme ça. Et bah voilà, simplement on se retrouve la semaine prochaine pour Pokéwood, et demain pour du League of Legends. Demain, samedi, non, je crois que c'est... Ouais, c'est pas demain, c'est samedi, samedi pour League of Legends du coup. Et dimanche pour une petite combille de Game of the Among Us qu'on aura fait du coup en live. N'hésitez pas, hein, tous les jours jusqu'au 20 décembre, 21h sur mon Simerson Twitch. N'hésitez pas à venir et tenter votre chance pour participer à l'événement. Et donc espérer bah, être classé et remporter un petit peu d'argent. Voilà, donc on se retrouve tout simplement la semaine prochaine pour Pokémon. Et samedi pour League of Legends. Allez, ciao ciao.